I told you guys to scram! No chance. Yeah, get out of the way before you get hurt. If that's how it's gonna be, then I'm gonna go clubbing. Clubbing? This ain't time for dancing. Ugh, he means he'll hit us with the bat. Oh, I get it. He's a dumbass. I take offense to that. Salut, c'est Master Brita pour le site FactorGeek.com. Là, on parle du jeu Obey Me. Obey Me qui est un jeu de combat ou communément appelé un 3D Brawler. Il a été développé par Error 404 Game Studios, l'éditeur Blowfish Studios. Il est disponible sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. Je l'ai personnellement essayé sur la PlayStation 4. Il occupait 4,43 gigabits d'espace sur le disque dur. Et il était en version 1.01 à ce moment-là. Le jeu Obey Me est tiré de la bande dessinée du même nom de chez Dynamite. Fort possible que la bande dessinée et le jeu ont été créés en même temps. Parce que la bande dessinée, elle est très jeune. Le premier numéro est sorti en mars ou avril 2019. Au niveau de l'histoire, bon, vous incarnez Vanessa, ou V pour les intimes, vous êtes un démon, mais un démon, disons, diminué, hein, en anglais, un lesser demon. Vous êtes accompagné de votre fidèle chien Monty, qui lui aussi c'est un démon, et Monty peut être contrôlé par un second joueur, donc oui, le jeu peut se jouer en coop local. Cependant, il n'y a pas de coop en ligne. Ça aurait été le fun. Donc, vous travaillez pour Amon, le frère de Satan, qui vous envoie faire du ménage dans la ville, infestée de démons et d'autres abominations. Car oui, il n'y a pas seulement du chaos et de l'anarchie dans la vie des démons. Il y a certaines règles à respecter. Le parallèle le plus simple serait peut-être de le faire avec une organisation comme exemple la mafia. Il y a un boss, il y a le boss, il y a les petits employés en dessous, parfois, il y a du monde aux alentours qui sont gênants et dont on doit se débarrasser. Et ça, c'est le travail de Vanessa. Pour mener à bien son travail, Vanessa va utiliser différentes attaques. Il y a les attaques dites normales, les attaques plus puissantes évidemment, où elle va charger de l'énergie et la relâcher sur ses ennemis pour porter des coups plus puissants et leur causer plus de dégâts. Elle va attaquer à distance en lançant des dagues par exemple. Elle va également avoir la possibilité de se téléporter mais dans un très court rayon, ce qui va lui permettre justement d'esquiver les coups de ses ennemis. Cependant, et ça me tape sur les nerfs, c'est que la téléportation, il y a un délai. Il y a un temps de chargement qui est nullement indiqué dans l'écran. Donc, si on appuie sur le bouton de la manette pour se téléporter et qu'on essaie immédiatement après de le faire à nouveau, il n'y a rien qui se passe. Il y a un délai à ce niveau-là et ça m'agace au niveau des combats. Je trouve ça vraiment fatigant. Sinon, lorsqu'on abat un ennemi, on récolte des petites boules lumineuses qui sont possiblement des armes. Et ça va nous permettre de monnaie d'échange pour justement améliorer les capacités de Vanessa à partir de son arbre de compétences pour débloquer des nouvelles attaques et pour aussi les rendre plus puissantes ou débloquer des nouveaux combos. Donc ça, c'est assez typique de ce genre de jeu-là. Sinon, au cours de l'histoire, vous allez trouver des nouvelles armes et ces nouvelles armes-là vont débloquer des nouveaux arbres de compétences. Soyez conscient que c'est exactement la même chose pour le chien Monty, parce que lui aussi, vu que c'est un personnage jouable, il a aussi ses arbres de compétences, donc ses améliorations au niveau de ses attaques, ses combos, etc. Et il lui sera possible aussi au cours de l'histoire de débloquer non pas des nouvelles armes, mais des nouveaux états, disons ça comme ça. Des nouvelles façons d'être. Voilà. Et l'attaque ultime du duo,
c'est lorsqu'ils se fusionnent. Parce que oui, il y a des, ils vont accumuler des armes qui vont leur permettre justement de débloquer des nouvelles attaques. Mais ils vont aussi accumuler, bon, on va appeler ça du mana, hein, pour que tout le monde comprenne, de la magie. Donc, ils vont pouvoir se fusionner et ne faire qu'un. Et à ce moment-là, les attaques seront plus puissantes. Et lorsque Vanessa et Monty se retrouvent dans cet état-là, la vie de Vanessa va se régénérer tranquillement, mais elle va quand même se régénérer. Au niveau visuel, ça fait très bien la job. C'est joli, sans plus. C'est pas extraordinaire, mais ça fait la job, c'est correct. J'aurais aimé ça cependant qu'il y ait un petit peu plus de diversité au niveau des différents tableaux. C'est peut-être à cause de la palette de couleurs qui n'est pas très variée d'un tableau à l'autre, mais j'aurais aimé un peu plus de diversité. Au niveau sonore, les sons, ça fait très bien la job, les sons de combat, d'impact, ainsi de suite. Rien à dire. Au niveau de la musique, souvent c'est plus une musique d'ambiance jusqu'à ce qu'il y ait une période de combat. Là, le rythme va augmenter, le volume aussi. Ça fait bien la job, c'est parfait. Là où j'accroche, c'est la voix du chien Monty. Je suis pas capable. L'acteur, on dirait qu'il force, mais ça, bon, pour moi, j'ai pas enlevé de points pour ça, là, mais je suis pas capable de supporter. Au niveau des dialogues, c'est cheesy, c'est une histoire, c'est pas une histoire très très complexe, on s'attend pas à ça dans ce type de jeu-là, mais l'histoire elle est quand même intéressante cependant. Là où j'accroche, c'est que j'ai vécu 3 fois le même bug à peu près au même endroit. Vous allez voir 2 exemples, et ça m'agace, parce que la seule façon que j'avais de régler le problème, c'était de sortir du jeu et de redémarrer pour pouvoir continuer à jouer. Ça m'est arrivé 3 fois sur 6 games que j'ai faites, donc 50% du temps. Sachez-le, j'espère qu'ils vont être capables de régler avec une mise à jour. Donc, Obemi, c'est pas un jeu qui va révolutionner le genre. Cependant, je considère que c'est un jeu qui est moyen, qui fait quand même la job. Si vous avez l'occasion de l'essayer en coop, tant mieux. Donc, voilà, c'est Master Brita qui vous dit à la prochaine. We'll be right back.